Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Il est 7h. Bah la journée commence. Je suis claque. En plus j'ai pas rien en cours. Bon allez, faut que je me réveille, sinon je vais être en retard. Ta gueule, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Photoshop. I like the Photoshop. Do you like Photoshop? Yeah, of course. I love this. Il m'a mis un crayon dans l'oreille. Bonjour les loulous, donc comme je dis toujours, mieux vaut vivre du court avec du vrai qu'une vie longue et malheureuse avec un gars. À retenir. Ah, c'est grâce à moi qu'on aura une bonne note en fait. Même d'air, ça tu auras une bonne note. Ça c'est long noté. Hein. Mais là, franchement, c'est même pas. Ça, je regarde, je j'enlève. C'est trop moche, attends. Qu'est-ce que tu m'as fait, mon gars? Message pour la caméra. Ouais, croyez toujours en vous. Non. Et toi? Un message pour la caméra? Comme Delia, Belief, croire en vos rêves. Action. Mais elle bouge ou pas? Oh putain! Ah putain! Vas-y, 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 vas-y! Comme vous avez pu le voir, je viens de rentrer chez moi. Mais je repars instantanément parce qu'en gros, je rejoins Maëva et Delia pour aller faire un petit pique-nique vite fait et tout. Enfin, on mange ensemble dans un petit parc. On va faire ça et puis après, je dois rentrer, bosser sur mes cours et sur mon taf. Donc, je suis claqué là, j'ai un coup de mou, c'est hardcore. J'ai hâte d'être demain en fait pour rentrer à Dijon et me reposer. Parce que là, maman, je fais la guerre. Alors, les filles, du pique-nique est mort. Magnifique. Ouais, merci beaucoup, incroyable. Du coup, en fait, je mange ça. Voilà, c'est des pâtes. Placement de produit. 3€, 3€ pour des pâtes. Yankly. 3,25€. Mais elle conne. Et oui, coucou. Si tu l'as fait tomber. Non, promis. Ouais, ouais. Je me mets demain. Et mets la dragonne. Alors, c'est la promo. Pourquoi tu rigoles, toi? Fougaz. J'ai rigolé, il y a un problème. Parle bien. Okay. Merci. Voilà, donc voilà ma tenue du jour, non, today. Mais ta gueule, toi! Nathan a vendu ses pieds, papa. Tu veux qu'on parle de ton tweet? Eh ben moi je peux parler de mon tweet. Moi j'ai réussi à avoir un fétichiste. Mais non, j'ai fait la gueule là. Moi j'ai fait plein de crocs, hein. Personne ne t'a pas. Qui a fait chauffer ta pizza? Sans moyen et pas pizza. Alors là, on est posé au parc. Admirer les oies. Ouais, ouais. On a envie de dodo, faut regarder là. Ah pardon. Non, regarde pas ta grosse gueule. Envie de dodo? Ouais. Moi aussi. Oh, j'ai envie de dormir. Oh, tu filmes super mal en plus. Non. Ça pourrait faire un générique, ça. Non. Ouais, il marche vite. C'est plus long quand ça marche. À chaque fois que ça fait un pas, ça fait. Regarde, tiens, car à chaque fois qu'ils font un pas, là, c'est le. Ça va le coup. Là, il y a une accélération. Non, non. Oh putain. C'est le buffet à volonté. Tu peux y aller, Loulou. C'est pour toi. Rentre dedans. Voilà. Dégueu. Voilà. Oh non, chouchou. Mais du coup, comme vous pouvez voir à mes lunettes, je suis rentré chez moi. Juste, je vais bosser par rapport au taf. Et bosser mon montage par rapport aux études. Et j'ai trop la flemme, il faut que je le fasse. Et j'ai un. Comment je pourrais appeler ça? Une sorte de test pour voir si je gère mon taf. Une sorte de test intermédiaire. En gros, j'upgrade de niveau. Donc, faut qu'ils vérifient si je peux upgrade ou pas. Je sais pas si je peux vous dire ce que je fais comme taf. Je suis pour un service client d'une marque, mais du coup, je change de marque là. Voilà. Attends, je suis en train de jouer mes chiottes. Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. 10 blocs. Bon du coup c'est bon, je viens de faire mon appel test, on appelle ça comme ça, un call test. J'ai tout été parfait, donc je suis pris sur une nouvelle mission avec une nouvelle marque. Je continue de bosser, donc en soi je vais pas vous filmer grand chose parce que ça va être chiant pour vous. Mais je vous tiens au courant de comment ça va. Normalement je vais aller voir Luna, et c'est pas sûr encore, enfin je sais pas, elle m'en a pas reparlé donc je sais. Je suis encore en train de bosser mais là je m'accorde juste une petite pause café. Il est à peu près 17h, du coup je pense que je vais juste me mettre en mode tôt.
pardon, couper mon téléphone et bosser parce que là sinon je vais pas, parce qu'en gros ce week-end je rentre à Dijon et j'ai un peu envie d'être tranquille à Dijon, j'ai pas envie de bosser tout le temps et tout. Je vais m'avancer de ouf, enfin m'avancer pas tant que ça parce que c'est pour demain. I wish that you would stay in my memory. Il est 18h35. Oula, je viens de finir mon... Putain, j'ai fait tomber mon tel. Je viens de finir mon taf, je suis très content. J'ai trop bien travaillé, je suis trop content. Et du coup, ouais, je fais une petite pause, je pense que je vais manger et ce soir, c'est tout montage. Je vais juste faire du montage sur ma vidéo parce que là, on a beaucoup de trucs. Ça me stresse un peu. J'adore. Je vous prie d'excuser cette dégaine et les cheveux, les lunettes, le bouton, le t-shirt. Y'a rien qui va. Je me regarde dans le retour, c'est affreux. Mais du coup, je vais pas vous regarder dans le retour. Mais alors, comment vous expliquer? Ce soir, je suis un peu dans un mood un peu genre bisextile. Ça veut rien dire, mais pas dans un très bon mood, je sais pas pourquoi, mais y'a pas de... c'est une petite raison particulière, mais en parler genre là, est-ce que vraiment ça sert à rien. Mais y'a une petite raison, mais enfin je vois même pas pourquoi cette raison... Enfin tu vois genre pourquoi là maintenant, alors qu'en soi c'est passé et tout, mais c'est pas grave. Sauf que du coup ça me... je suis un peu contrarié, donc je n'ai pas faim. Sauf que bah faut que je mange, du coup je vais me préparer à manger, je sais pas si je vais manger tout de suite, je vais faire, et on verra si je mangerai. Je sais pas si vous aussi ça le fait, mais genre vous savez que vous devez manger, du coup vous dites bon, mais en même temps genre vous avez pas faim donc vous allez pas vous forcer, mais en même temps faut manger. Du coup, parce qu'il est déjà genre, je sais même pas quelle heure il est. Il est 21h20, j'ai toujours pas mangé. En soi c'est pas si tard que ça, mais pour moi qui de base je mange à genre 19h30, 20h, 20h30 max, bah c'est bizarre. Oui, je me mets sur mon plan de travail, il y a quoi? Oh non, j'ai fait tomber mon sac de café. Ah, au menu ce soir, j'espère que je suis bien cadré, hein. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Mais, oula, attendez, touchez votre nez, il est 21h21. Vous recevez un message, c'est étonnant que je reçois un message. Bon, on va pas calculer les messages. Du coup, ce soir, c'est un peu ma spécialidad. C'est une spécialité de merde. C'est des wraps, mais en gros, je fais des wraps un peu, genre, chelou. Du coup, vous avez besoin d'un... une tortilla. Putain de merde. J'en peux plus, j'ai fait que... bosser aujourd'hui. Bon, je prends une poêle à crêpes, mais parce que j'ai la flemme sur ça, la grosse poêle. Première étape de la recette. Faire cuire des cordons bleus qui sont visiblement gelés parce que je mets mon frigo bien trop froid, ou quoi. Putain, mais c'est gelé. Ouch. Oh, mais c'est gelé de ouf. Putain de merde. Pire dodu depuis 1967. Bah putain, on va pas s'étouffer, hein. Ok, là, c'est votre choix personnel. Soit vous prenez du... Bah attendez, je fais la recette dans le déjeuner, là. 4 odeurs tournent aussi pour ça. Non. Bon, moi, c'est pas chaud, mais je le mets. Et pendant ce temps, vous allez préparer vos... Vous allez prendre une assiette de type Ikea. Vous allez mettre votre wrap, comme ça. Vous pouvez le faire préchauffer à l'avance, mais là, j'ai la flemme. Et là, ça va être votre choix personnel. Soit vous prenez les cheddar en plastique, là, ou soit vous prenez les... Je sais même pas ce que c'est comme type de fromage, les trucs de croque-monsieur. Moi, là, j'avoue, je sais pas, parce que d'habitude, je mets les croque-monsieur, pas les cheddar. Mais ce soir, j'ai envie de faire cheddar. Donc, ce soir, on va faire un au cheddar. Merde. Je sais, tout le monde va me dire « Ah, mais c'est dégueulasse, c'est pas du fromage, nanana. » J'ai remarqué la plupart du temps, les gens qui disent « Ah, c'est pas du vrai fromage, la gueule et tout. » Bah, ils mangent du Babybel. Et je trouve ça un peu ironique. Mais bon, je dirais rien. Hein. Voilà, ma poubelle, elle va déborder, dirais-moi, en fin de soirée. Donc ça ressemble à ça. C'est dégueulasse, je vais d'accord. Prochaine étape, prendre de la salade. Bon, moi j'ai une feuille de salade qui traîne depuis 3 jours, donc je vais la mettre là. Ah non, elle est toute fripex. Bon, ça va. On va pas juger la salade, mais tu... moi je vous conseille de la salade iceberg. Parce que pourquoi la salade iceberg? Vous allez me dire, c'est chiant. Bah en gros, c'est juste une salade qui craque, donc c'est meilleur. Moi je suis plus type croquante, je suis plus iceberg. Pas endive, pas. Les endives ça croque, mais c'est de gros blancs. Mais pourquoi tout le monde m'envoie des snaps? Mais c'est pas une feuille de salade là. Bon, moi c'est équilibré de la nourriture. Écoutez ce bon claquage. Je suis trop moche. Oh non, certainement pas. Enfin, je vais pas vous apprendre à faire un cordon bleu, je pense que vous le savez. Quand vous entendez que ça crépite, vous le retournez. Oh, ça, je dois faire la vaisselle, je la ferai demain. Voilà. Je suis con, putain. Bon, pour une tomate, il me semble que là j'ai plein d'aluminium, il me semble qu'il y a une tomate dedans. Mais elle doit être Pyrimax. Oh non. Ah, il y a du moisi sur la tomate. Regardez, il y a du moisi. Bon bah du coup, mangez pas la tomate, c'est dans une nouvelle. Vous lavez votre tomate, s'il vous plaît, vous savez pas où elle a traîné. C'est comme les mains quand on sort du métro, on se les lave, enfin quand on rentre à la maison. Ça j'ai jamais compris, les gens qui se lavaient pas les mains en rentrant de... Enfin non, je sais qu'il y en a qui ont pris grave le réflexe de se laver les mains avec le Covid en rentrant de la maison, ce qui est bien en soi, mais avant, genre vous rentriez de l'école, vous rentriez du collège, du lycée, de tout, et vous laviez pas les mains. Dégueulasse, je vous juge, je suis désolé mais c'est dégueulasse. Ça a pas la tête. Oh, hey, attendez, je vais faire un plan à la Philippe et je te baise. Ma caméra elle tombe par contre je pleure. Ah merde. Hey Philippe, je te perce. C'est moi, ça bouge. Vous coupez votre... Toujours mettre les doigts comme ça. J'espère qu'on voit pas mes pieds. Faut payer, hein. Bon, on va dire que le cordon bleu est prêt. Je suis pas prêt. Et ensuite, là, tout est une question de
volonté mais de présentation. J'espère que tout est une question de volonté. Et là, ça va être le secret de Nathan que je mets. Pour toutes mes recettes, des oignons frits. Et là, ça rajoute le taste. Eh maman, c'était si bon. Vous prenez de la sauce burger, enfin la sauce que vous voulez, mais moi je mets de la sauce burger. Il vous asperge. Et là, vous le malaxez. Ah, vous avez un rap quoi. En plus, j'ai plus de batterie donc je vais charger ma. Ah, je ferme ma gueule. Même moi, je peux plus m'entendre. Alors j'imagine même pas vous. Ouais, c'est ouf. Alors là, on va partir dans un truc philosophique un peu chelou. Mais là, je suis dans une pièce où je me dis, bah y'a personne, tu vois. En fait, si y'a un humain, c'est moi. Genre là, y'a quelqu'un. Genre c'est moi. Je trouve ça fou que genre j'existe dans la vraie vie. Enfin, c'est trop bizarre dit comme ça. Je vous jure que dans ma tête, ça sonne bien. Il est minuit 18. J'ai pas fini de bosser, mais je vais me coucher parce que je suis fatigué. Et j'ai les yeux dans un état, je sais pas combien de temps d'écran j'ai fait sur mon ordi. Du coup, j'ai un peu avancé. Enfin, j'ai bossé toute la soirée, donc j'avais rien à filmer, c'était vraiment pas intéressant. Donc 9h51. Hier. Ok, 8h. Eh ben, autant dire qu'on est sur un sacré temps d'écran. Donc j'ai les yeux niqués quoi. Au moins j'ai avancé, c'est déjà pas mal. Donc j'ai la tête grosse comme une patate, les yeux rouges comme si j'avais fumé un pétard. Donc je vous souhaite une excellente nuit. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis bah du coup on se retrouve à demain. Bah zo.